Bonjour, donc LDLC c'est un spécialiste de la distribution du matériel informatique, historiquement présent en ligne, parce que c'est une entreprise qui a plus de 20 ans aujourd'hui, et qui a décidé de se lancer également dans un réseau de magasins, il y a maintenant 7 ans. Aujourd'hui le réseau de magasins est constitué de succursales pour partie, il y a 8 unités qui nous appartiennent, et puis le reste du réseau ce sont des franchisés avec des particularités qui sont complémentaires à la vente en ligne, c'est-à-dire qu'on va travailler sur de la proximité, du conseil, des services, un atelier qui est capable de réparer, de faire du montage sur mesure. Le réseau va atteindre 50 magasins à la fin de cette année, et puis on continue nos plans de développement et de croissance sur des zones où il y a encore beaucoup de place, où on peut encore densifier, notamment en Île-de-France. Puis on est en train de regarder aussi un petit peu à l'international, puisqu'on est déjà présent en Espagne, et puis on est en train de regarder des pays limitrophes au territoire français. Alors nous cherchons des personnes qui ont envie d'être commerçants en relation avec le client, avoir une affinité avec le produit high-tech. Et puis nous, notre métier de franchiseur, c'est de transmettre ce savoir-faire, savoir gérer un magasin, piloter une activité, des marges. Donc tous ces aspects-là, pour nous, ne sont pas indispensables au départ. Ce qui est important, c'est de se dire, voilà, j'ai envie d'être commerçant, j'ai envie d'être au contact du client. Et puis j'aime cet univers du high-tech et de l'informatique. Dans ce marché qui finalement est assez compliqué puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, eh bien nous on est unique. On est unique parce que déjà on est vendeur en ligne avant d'être retailer et ensuite parce qu'on a des spécialités dans le conseil et les services. On a des gammes de services aujourd'hui qui sont uniques. On est capable de réparer, de démonter. Et puis on s'aperçoit que ça fonctionne en fait. Donc on est capable de démontrer sur un marché finalement tendu que c'est possible d'avoir un concept quand il est différent et d'avoir ce concept basé sur des fondamentaux de commerce finalement assez stables, hein, proximité, conseil, service, et de réussir face à toutes les autres enseignes et dans un marché qui est concurrentiel.